Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,79% à 5773 points. Le débat sur l'inflation est toujours au centre de l'attention aux États-Unis, alors que le plan de relance de 1 900 milliards de dollars laisse envisager à de nombreux investisseurs une hausse des prix à venir. Des craintes inflationnistes qui font grimper les rendements d'emprunt. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans évolue aux alentours des 1,33% ce soir, tandis que le rendement à 30 ans évolue, lui, aux alentours des 2,13%. Janet Yellen continue de son côté de faire la promotion de ce plan de relance. Celle-ci a notamment tenté de rassurer sur le sujet de l'inflation en expliquant que la Fed avait tous les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. Il n'en reste pas moins que ces fameuses tensions inflationnistes animent un débat sur les marchés entre ceux qui anticipent une correction alors que les marchés actions seraient temporairement délaissés au profit d'autres actifs, tandis que de l'autre côté, on estime qu'une remontée des prix serait un facteur positif pour les actions car elle reflète un renforcement des anticipations de croissance des entreprises. En Europe, la situation semble plus calme, même si les rendements d'État progressent eux aussi, la BCE ayant indiqué ne pas s'alarmer de la hausse des rendements obligataires. Toujours est-il en matière d'inflation que les prix à la consommation ont progressé en France au mois de janvier. L'estimation provisoire d'une inflation de 0,8% sur le mois de janvier, donc contrebalance avec le recul des prix de 0,9% enregistré au mois de décembre. Et en France, toujours, l'activité dans le secteur privé devrait se contracter en février, avec un PMI composite qui passe de 47,7 points au mois de janvier à 45,2 points au mois de février. Dans le détail, le secteur manufacturier montre des signes assez clairs de reprise, tandis que les services continuent de subir les impacts des mesures de restriction. Un décalage similaire en zone euro où l'activité manufacturière permet à l'indice PMI composite de gagner 0,3 points pour se hisser à 48,1 points au mois de février. Aux États-Unis, l'indice PMI composite montre de son côté une accélération de la croissance dans le secteur privé. Celui-ci ressort à 58,8 points en février, son plus haut niveau depuis 6 ans, tiré par les services et l'activité manufacturière. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Renault, tout d'abord, accuse une perte nette de 8 milliards d'euros en 2020. Un recul en lien direct avec la baisse de ses ventes à cause de la pandémie, mais aussi à cause des difficultés de son partenaire Nissan. Le groupe qui a cependant observé un net rebond au second semestre. Le titre signe cependant la plus forte baisse du CAC 40 ce soir et perd environ 4,5%. A l'inverse, Hermès annonce une accélération de ses ventes au quatrième trimestre, portée notamment par le continent asiatique, qui lui a permis de compenser les baisses enregistrées en Europe notamment. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre d'Hermès progresse d'un peu plus de 15%. Le titre fait partie des plus fortes hausses ce soir. Il a même brièvement passé la barre des 1000 euros ce matin et la valorisation d'Hermès dépasse à présent les 100 milliards d'euros. Le titre d'Hermès qui gagne ce soir un peu plus de 3%. Danone annonce un chiffre d'affaires en recul de 1,5%, données comparables et une marge en recul de 14%. Le groupe s'attend à un premier trimestre encore difficile pour 2021, mais vise un retour à la croissance de son activité dès le second trimestre. Danone qui doit notamment faire face également aux vives critiques de deux de ses actionnaires, les fonds Bluebell Capital et Artisan Partners, qui remettent en cause la stratégie du groupe. Danone qui gagne ce soir 2% et Valeo fait état de son côté d'une chute de chiffre d'affaires de 16% et d'une perte nette d'un peu plus d'un milliard d'euros. Pour 2021, le groupe anticipe un rebond de 10% du marché automobile contre un recul de 17% en 2020. Valeo qui compte faire mieux que le marché en 2021 et qui compte également améliorer sa marge. Valeo qui gagne environ 2% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Faurecia, d'Icad ou encore de Thermador Group en France, mais aussi de Berkshire Hathaway à l'international. Côté statistique, l'indice IFO sera publié en Allemagne pour le mois de février. Et à noter que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prendra de son côté la parole au sein de la conférence semestrielle organisée par le Parlement européen.